Ambroise de Frissom. Nomi 30-30, c'est ouais, c'est pas la même carte quoi. La carte est pas pareille en 30-30 et en 4-4, hein. Je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de tokens ou pas? Ouais. Il y en a, il y en a. N'oubliez pas que moi, je crois en vous. J'ai eu la même avec le héros Bran. Ouais, avec Bran et avec Galakrond aussi, cette quête est trop forte. Ce qui a été trop fort, c'est que notre condition pour l'activer, elle était... C'était facile, quoi. C'était free. Un serviteur tout droit sorti de la boue. Je sais pas si on veut free ça. Techniquement, c'est mon token, quoi. Vous êtes vraiment incroyable. Bon, tiens, quand Livin a priori est passé, c'est parti, on se beul. Ce sera en effet un détail important à retenir, peut-être à l'avenir. J'imagine qu'on va vouloir HP pour un 5. La question, ça va être est-ce que lui il a touché sur son pouvoir, hein? C'est vraiment le héros, tu peux pas Vous en prévoir. sortez très bien, ne changez rien. La réponse est donc non. On aurait pu perdre. Ah ouais. Oh. Le petit 25%, il m'aurait mis très très mal. Hein. J'ai tout vu depuis les coulisses, c'était magnifique. Alors. Ça, oui. Stèle du vice. Le truc, c'est que les autres sont vraiment très nazes. Il y a de quoi cogiter. C'est long, recruter 12, non? Après, ça synergise trop bien. En vrai, j'ai un plan avec ça. Il faut bien commencer quelque part. Moi, j'ai commencé dans une flaque de boue. Il y a un plan, il y a un plan. Sinon, bah non, justement, je trouve que c'est bien parce que du coup, on va avoir deux copies et je pourrais HP pour avoir la dernière.
Je n'ai jamais douté de vous, pas une seule minute. Le problème c'est que là le develop se met pas très bien. En termes d'écho, ça c'est ce qui se met le mieux. Faut espérer que ce soit suffisant. Chantons, on peut up. Vendre les deux chats, acheter deux. Storylist plutôt que chat, non, parce que là j'ai envie de penser à ma quête aussi. Continuez comme ça. Et les chats, c'est beaucoup plus efficace à acheter. Dans tous les cas, là, on est suffisamment fort. J'ai tout vu depuis les coulisses, c'était magnifique, ça oui. Faut quand même qu'on level up. De nos coffres à votre portefeuille. Ça se trouve, c'est n'importe quoi hein, ce que je suis en train de faire et ça va pas fonctionner du tout. Je pense pas qu'on va essayer des 6. Mais peut-être que c'est... Le truc, c'est qu'en essayant des 5, si j'arrive à avoir, par exemple, Murozon, c'est quand même vraiment très très fort. Le problème, c'est qu'il n'y a pas Murloc, quoi. Je pense qu'on ira tenter des 5, en vrai. La victoire est à vous. Allez, allez, c'est important de pas perdre de points de vie. On veut vraiment garder un maximum nos PV. Le fait qu'il ait eu un dragon là-dessus, ça vient de me mettre une bite. Oh, what? Ah non, récupérer un dragon là-dessus, c'était tellement abusé. Les crachats à 4, ah non. Waouh. Coup dur ça. Je sais pas si je m'en remettrai un jour là. Putain. Ça ne vous a pas plu?
C'est spécial là quand même. Vous vous en sortez très bien, ne changez rien. Je vais encore me prendre deux trades là. Faut arrêter par contre maintenant. S'il vous plaît. Ouch. Bon, faut espérer que maintenant on arrive à se rendre fort parce que... Ouch. Ok, on va prendre la grenouille 100%. Celui-là. Je vais faire le ménage. Ça me fait une belle jambe. Ça me fait une belle jambe. Coffre à votre portefeuille. Je vais vous faire un beau... Oh, vous auriez pas dû. Je vous promets de dépenser ça de manière utile. L'entraînement. Ça me fait une belle jambe. Un cadeau pour Ashara. Continuez comme ça. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Y a pas Uran malheureusement. On a un bon setup, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que là juste jeu HP. On voit ce qu'on récupère là. Ah les Elisa c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Maintenant, faut qu'on trouve des nagas. On peut prendre celui-là. J'aurais dû le prendre avant, d'ailleurs. Putain, j'aurais dû poser ça. My bad. La terreur des marins. Je vous propose pas mon plus grand art, là. Je suis le fléau des mers, la terreur des marins. Mon dernier adversaire avec quoi? Très 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 étrange comme game. Vous ne faites pas le poids, passe gardien. La 3-3. Pourquoi j'avais besoin de la 3-3? Ah
Ah oui, parce qu'elle est double avec maquette, ok. J'avais oublié ce détail. Oui, non, bien sûr. J'avais oublié qu'elle était doublée avec ça. Alors, toi tu dégages. Toi tu rentres. J'ai pas vraiment envie d'acheter ça. Après, j'ai la place. Ouais, mais on peut mettre mieux. Leroy potentiellement est dans la catégorie mieux. Hein. Pour la justice. Mon flex spot, ça devient quoi? Ils sont forts en vrai, parce que je pense vraiment pas être horrible là. En soi, ma compo, je l'ai. J'ai 3 Nagas, ce qui est très bien. J'ai Elisa et les deux trucs, ce qui est très bien. Faut juste probablement que le Leroy saute, du coup. C'est dommage d'avoir joué un Uther dessus, mais si ça me permet de gagner des points de vie, ça valait quand même le coup. Orgozoa, bah, je serais pas contre Orgozoa, mais c'est un niveau de taverne un peu trop haut, quoi. Je peux pas vraiment YOLO et me dire que j'aurais Orgozoa, là. Vraiment que ce qui peut sauter, c'est Peggy. Il y avait quoi mon dernier adversaire? Là-bas ça joue pirate, ça m'intéresse pas trop. Et là-bas ça jouait pas vraiment ce qui m'intéresse non plus. C'est très dur à dire si je vire lui ou pas. Peut-être je vire quand même juste lui. Il ripop pas tant que ça en fait. Le Leroy est juste mieux. Je sais pas pourquoi je veux le garder. Lui il... Il est un peu whatever, non? Oh, l'hydre, elle est pas whatever. Hein. Ah ouais, non, l'hydre, elle est bien. On devra se débarrasser de ça. Je pense que c'est ceci qui saute. Ouais. Continuez comme ça.
Oh nice. C'est plutôt bien pour moi ça, je pense. Je suis même plutôt sûr. Bon, stop les dragonnets, c'est de la triche. J'en peux plus des dragonnets. En soi, vu que je vais récupérer deux cartes, je pense que ça vaut le coup, hein. En temps normal, j'aurais dit non, mais là, vu que je touche deux cartes, on va bien penser à vendre lui avant. Qu'est-ce que c'est que ce bourbier, là ? Non, on va pas, c'est trop bourbier là, Joey. On va se calmer. On va se calmer, on va se calmer. On va pas rentrer dans ce bourbier de merde là. Laissez-vous tenter par une tasse de thé. Cassez-vous. Je veux pas vous voir. Très bien, je vois son potentiel. L'estrier nautique. C'est meilleur que Leroy. Comment ça, c'est meilleur que Leroy Théotard? Mais la question n'est pas est-ce que Théotard est meilleur que Leroy. Est-ce que Théotard, les deux Théotard, il faut 3 slots pour les jouer. Donc, moi je veux bien, j'enlève le Leroy, mais il reste du travail à effectuer derrière. Vu ce qu'il joue, c'est-à-dire des compos tempo, je pense pas que j'ai besoin d'essayer de grind ça. Hey. Par contre, contre le joueur de mecha, ça peut peut-être être pertinent de les foutre un dynamiteur. Je sais pas, parce que j'ai moi-même pas mal de shield. Et j'ai ça. Je pense pas que ce soit si bien que ça. Ça aurait été bien de toucher au moins un truc, quoi. Et forcément, ça arrive au moment où... Ouais. De toute façon, lui, il est pas vraiment fort à jouer. Bon, c'était pas un tour de fou. Bah, on a acheté que ça en fait. Ce qui était clairement nul. Le problème, c'est que la première sorcellerie est apparue un peu tard. On reste sur ce genre de configuration pour le moment. Ce qui m'embête, c'est que je vais devoir enlever lui, mais en même temps espérer le récupérer quand même. Parce que bah, c'est clairement une créature forte pour ce que j'ai envie de faire. On avait eu Orgozoa, c'était très très fort. Après, oui, non, c'était très très fort. Ça me donnait tellement de stats, c'était vraiment top 1 en effet de toucher Orgozoa.
Puis on est donc bel et bien contre le joueur de mecha. Oh nice, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et là, il faut vraiment juste qu'on trouve des petites sorcelleries à gauche à droite. Ils vont du coup tout booster. Est-ce que ça, c'est assez bien ? Pas sûr, mais bon. Attendez, mais ne rien toucher, ça, par contre, je suis sûr que c'est pas assez bien, ça. Ouais. Le truc, c'est que je le vois difficilement top 1 avec Saphir du Tigre et Mecha. Mais d'un autre côté, il a réussi à grid up grâce à ça. Et après, il a up que le tour d'avant. Hein. Il a pas un héros avec lequel il est censé Hydre First. Non, c'est jamais Hydre First. On pourrait discuter que ce soit Hydre en 2. Ouais, Hydre en 2, ça me va. Hein. C'est-à-dire quoi, la couronne? Qui est couronne? On parle de quoi, là? Je suis pas sûr de voir. Wow, ça a fonctionné comme ça, d'accord. Wow. Droit dans le Leroy. Il n'y a pas tant de dégâts que ça. Ah, la couronne dans le chat. Oui, c'est pour Prime. Bon. Des sorcelleries là. Hein. Un autre Leroy pourrait être acceptable aussi. Oh. Salut. Ok. Je sais pas quelle serait ma première créature à partir, ma prochaine créa à partir par contre. On n'est même pas vraiment obligé de faire partir une créa, je peux juste remettre le shield. La furie des vents sera même pas si pertinente que ça à partir du moment où il y a deux Leroy. On va voir. Il a plus de reset. En vrai, ça sent le létal là, non? Ah si, il a encore un reset, pardon. Ah, ouais.
Ouais, mais j'ai l'impression qu'il va pas y avoir droit, le frérot. Et qu'il est donc mort. Elle était sympa, cette game. Le plan de jeu où on a fait, on a eu un early game très très bizarre. J'ai sacrifié beaucoup de points de vie en ayant une idée un peu saugrenue en tête. Et au final, cette idée a plutôt bien payé. C'est vraiment... C'est cool les games comme ça parce que c'est vraiment des games... Bah, j'en ai jamais joué comme celle-ci, quoi. C'est vraiment en mode, tu vois ta quête, ton héros, t'essayes de mettre en place un truc et quand ça se met bien, ça... Ça donne vraiment une game sympa. Les deux étaient d'ailleurs bien cool, hein.